Eh bien, bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA. Alors, je tenais à vous dire que dans ma carrière de manager, tout s'est passé comme je voulais. Je vais vous montrer les matchs que j'ai pas filmés. Comme vous voyez, je suis en finale de Ligue des Champions contre Naples, c'est incroyable mais vrai, parce que vous allez voir les résultats. Alors, je vous parle maintenant, on revient ici sur le match que j'ai gagné 2-0 contre Marseille. J'étais qualifié en quart de finale contre l'AS Roma. J'ai fait 2-2 à domicile. Et j'ai gagné 4-0 au retour à l'extérieur. Et là, comme vous voyez, j'ai joué contre Paris en finale de Coupe Nationale. Et le résultat, ben, j'ai perdu 1-0 malheureusement en Coupe Nationale. Mais attention, en Coupe de la Ligue 2 contre le LOSC, j'ai gagné 3-1. Et du coup, là, je suis vainqueur de la Coupe de la Ligue. Et je suis vainqueur du championnat de Ligue 1 aussi. J'ai eu le titre. Parce que j'étais devant avec 97 points, je crois. Et là, du coup, après, j'ai joué contre Manchester City. En demi-finale, j'ai perdu 3-2 à domicile. C'était très compliqué pour moi. Pour finalement gagner 2-0 au retour chez eux. Et j'ai très bien joué. J'étais très fier de moi. Et du coup, voilà. J'ai été qualifié en finale contre Naples. Et du coup, là, on va se retrouver pour le match de fin de saison. Le dernier match de ma carrière. Et on verra si je vais gagner l'UEFA Champions League ou pas. À tout à l'heure. Re les gars, on se retrouve pour la finale de Ligue des Champions de Naples contre Lyon. Et joue à l'extérieur, comme vous voyez, Diego Maradona à droite en carton, enfin je sais pas si en papier ou en tissu. Et là on voit la présentation de cette belle finale de Ligue des Champions contre Naples. Alors faut savoir que j'ai mis un match de 5 minutes, du coup il y aura beaucoup de coupures au montage. Et je joue en mode légende aussi, ce qu'il faut retenir parce que certaines personnes, je pense qu'ils me croient, pas, pardon. Et qui pense que je joue en pro ou quoi que ce soit, alors que c'est pas du tout le cas. Et là, je joue en mode légende contre Naples. Du coup, là, ce que je vais faire, je vais passer la présentation et je vais juste vous montrer, pardon, ma composition pour ce match. J'ai décidé de mettre Moussa Dembélé en pointe, finalement. Et mettre Depay à gauche. Et pas de pas faire jouer Terrier finalement parce que je voulais mettre en pointe lui parce que lui il peut jouer en buteur. Mais je l'ai pas mis parce que j'aime pas trop, il a pas vraiment d'endurance comparé à Moussa Dembélé qui en a pas beaucoup mais assez aussi pour tenir à la mi-temps. Parce que lui je fais sortir après. Après je vous conseille aussi d'acheter Brahim Diaz, lui il est très très bon. Moi je l'ai eu en prêt 2 ans mais moi je l'aime bien, il est assez fort, il est toujours décisif, voilà. Alors on va passer au match, on va commencer le coup d'envoi. Très très belle finale. Alors, là je vais commencer. Là ça joue très bien de la part de Aouar avec Fekir. Ah par contre, Fekir qui fait une mauvaise passe, d'habitude que lui était fort. Là, Insigne qui lance en profondeur Zelensky. Attention, là c'est tout seul, Insigne la tête et je pense qu'il aurait pu contrôler et faire une reprise de volée. Parce qu'il avait vraiment, il y avait vraiment personne devant lui, il aurait pu prendre son temps et il l'a pas fait. Lopez pour la relance en jeu. Qui fait juste une passe, Ferland Mendy pour avoir. Je joue tranquille, les gars, je joue tranquille. J'essaie d'analyser un peu le jeu de Napolitain. Ou par contre, il accélère pas beaucoup à avoir là. Hein. C'est bizarre ça. Le Dubois qui lance en profondeur Nicolas Pepe, qui lui est le meilleur buteur de la Ligue 1, je tiens à le dire. Avec 20 réalisations, je crois. Ou 27. Ah, c'est très bien joué, c'était très bien joué. Mon fils de paille, mon fils de paille, le crochet et le centre. Et non, le tir, pardon. Oh excusez-moi, j'ai arrêté de parler parce que j'étais concentré pour marquer. Koulibaly était dedans. Et devant, pardon. Le centre de Memphis Depay pour peut-être la tête de Gomez et non. Alors Ndombele, Ndombele, on l'a pas entendu. Là il a le ballon. Qu'est-ce qu'il va faire? Il passe à Eric Bailly. Eric Bailly pour Nicolas Pepe qui fait une mauvaise passe pour Diego Aspas, Olmo, Fabian. Là ça joue très bien du côté des Napolitains. Insigné, Insigné, le joueur clé de Napolitain qui lance pour dur. Calderon et j'encaisse un but malheureusement. Ça c'était très bien joué de la part de Napolitain, du surtout d'Insigné qui fait une jolie passe pour Calderon pour une très belle finition. GG à lui en tout cas. C'est pas le super beau but qu'on peut marquer, enfin que je peux encaisser. Mais voilà, la défense était vraiment KO là. Ferland Mendy a laissé Calderon tout seul et ça s'est très mal passé pour moi. Voilà, on va essayer de se concentrer. Ah,
c'est très très mal joué, c'est très très mal joué. Dembélé! Oh là là là! Non, oh j'ai le seum les gars, j'ai le seum, j'ai le seum. C'était une très bonne occasion d'égaliser et là j'ai pas pu égaliser malheureusement. Les défenseurs c'est très bon, en même temps il y a Koulibaly dedans. Oh j'ai le seum les gars, j'ai le seum, j'ai vraiment le seum. Nicolas Pépé, Nicolas Pépé. Bon, c'est Maoua. Ou c'est Maoua! Oh la magnifique frappe! Oh j'ai le seum encore une fois. Ferland Mendy. Fekir! Non! What? Les gars, mais j'étais tout seul devant le but. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai le seum. Oh, le seum, j'étais devant le but. Je me suis précipité comme un con, putain. Qu'est-ce que j'ai fait, les gars, franchement? En finale de Ligue D, les gars. J'ai le seum. Là, regardez comment Caleron est lancé en profondeur. Ferland Mendy accélère pas. Ah, Lopez qui dégage du point. Vite fait avoir Giroud pour qu'il peut mettre la tête. Hein. Oui. Non. Mais les gars, mais c'est quoi ça? Mais regardez la parade du gardien. C'était une balle en camp d'égalisation. Mais j'ai trop d'occasions, mais je les marque jamais en fait. C'est ça le problème. C'est incroyable, putain, j'ai le seum. Oh là là. J'ai vraiment le seum, les gars, mais franchement. Mais oh! Mais qu'est-ce que j'encaisse comme dream, moi? Mais non, mais les gars, je fais vraiment n'importe quoi, là. Je suis pas content de moi du tout sur ce match. Vous voyez Juan en plein de difficultés, là. Mais vraiment là, Non! Ça méritait carton rouge, il a gâché une action! Allez, carton rouge! Chet! Ah bah oui, il a gâché une action, carton rouge là-t'es! Bah ouais, gars, voilà! Ah, l'homme fils des failles va s'en charger. Est-ce que je marque un super coup franc? Si je marque ce super coup franc, franchement, c'est pour vous, c'est pour le petit bug aussi qui me regarde là. Non! 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 Les gars, j'ai tiré doucement, j'ai le seum. Bon, je vous dis à dans quelques secondes pour vous pour le retour de la mi-temps. Re les gars, comme vous voyez, j'ai encore le seum. Oh là, je suis vraiment déçu. Attention, peut-être que je serai pas déçu là. Ah là 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 là. Les gars, j'essaie de marquer un but, il le faut pour ma confiance. Oh, mais les gars, j'ai des très bons joueurs. Mais regardez le gardien en face. Ospina, mais il est nul. Pourquoi il cale comme des ballons comme ça? Mais regardez mon superbe aussi. Regarde Ospina, mais qu'est-ce qu'il fout ça? Ça rentre ça. Très bien joué de sa part, mais qu'est-ce qu'il cale lui? Même des rien, bon gardien, il ne cale pas ça. Oui, c'est là que c'est bon, c'est là que j'adore Fekir. Mais lève-toi, mais fais ta célébration, mais lève-toi. Merci. Allez, je fais ma célébration là, su. Le capitaine qui marque. Ah, là, je suis content. Là, j'ai très bien joué de la part de Pépé. J'ai fait un centre à rater, si je peux dire ça, très très puissante, qui était pas pour moi, pas pour, qui était. Pardon, je ne sais plus parler. C'était pas pour Fekir, mais Fekir qui tire et qui marque du pied droit, qui s'est rattrapé parce qu'il a raté une très belle occasion de marquer, d'égaliser tout à l'heure, mais en première mi-temps. Mais là, j'ai pu égaliser grâce à Fekir, et là, je suis vraiment content. Non, non, non. Mais dégage. L'eau du bois. Lopez, bon, il se fait pas prendre sur ce centre. Excusez-moi les gars, je me concentre un peu. Je suis vraiment désolé si je parle pas trop. Ferland Mendy, c'est très bien joué. Pour une fois, il est bon. Pour une fois, il est décisif. Passe ton ballon parce que tu vas le perdre. Voilà, tente ton ballon. Voilà, Nicolas Pépé. Lui, il est rapide. Lui, il est Pépé. Et lui, il est Pépé, n'importe quoi. Non! Allez, Marc! Oui! Let's go! Nicolas Pépé qui marque un joli but. C'est là que c'est bon! Si! Ah les gars, je suis content, je suis heureux là.
En même temps, on est en supériorité numérique, faut pas l'oublier. Napa s'est pris un carton rouge d'un défenseur en première mi-temps. Et Lyon qui revient à 2-1 en finale de Ligue des Champions, finale de C1, les gars. Très bien joué, le gardien qui a calé. Mais Nicolas Pépé peut reprendre le ballon et donner un petit piqué dedans. Ou un petit extérieur, je sais pas. Ouais, un petit piqué, etc. C'est le même truc. Voilà, les gars, je suis vraiment content. Voilà, je suis clairement heureux. Là, ce que je vais faire, je vais juste faire des changements en votre présence. Moussa Dembélé était pas trop fort. Du coup, ce que je vais faire, là, je vais mettre Bertrand. Je vais mettre. Voilà. Ce que je fais, je mets Moussa Sissoko. Nicolas Pépé, je vais le laisser. Est-ce que j'enlève de Pipe? J'ai envie de mettre Brahim Diaz en finale. À la place de Fekir. Voilà, c'est chaud. Hein. J'ai envie de mettre Thiago Mendes en plus, en fait. Je sais pas quoi faire. Bon, on va privilégier la défense, le milieu de terrain. Du coup, on va recommencer ce match. Enfin, on va continuer ce match, pardon. On va pas le recommencer en tout cas. Non, pas du tout. C'est très chaud pour moi là. Je gagne 2 en ce moment. Il faut pas encaisser de but par contre. Ouais, je fais 3 changements d'un coup. C'est incroyable. Oh le dribble. Ah, c'est très bien. Je regarde, il reste. Oh là là. Là, je suis beaucoup contre tout le monde là. Moussa Sissoko la tête! Et donc, voilà, il vient de rentrer. Et il est trop fort, Moussa Sissoko. Mais on peut le demander quoi à lui? Il est trop puissant, il a de la force, il est vraiment trop fort. Il vient de rentrer et ouais, 2 buts couche à coup comme dit Hervé Matou. C'est très bien joué. Tête bien placée à la gauche du gardien et magnifique but. Pour Lyon et je gagne 3-1. Les Lyonnais qui mènent 3-1. On est tranquille pour la Champions League. Et Lyon qui va remporter sa première C1 de son histoire. Mais bien sûr dans le jeu et pas en réalité malheureusement. Ah oui, pour être content, moi je suis content. Hein. Avec Lyon. Non, les gars, pourquoi j'ai raté ça? Mais non, j'ai raté ça les gars. Mais Fekir, mais qu'est-ce qu'il a? Ah oui, c'est très pénible, mais qu'est-ce qu'il a fait qui, franchement? Fait qui attire? Mais les gars, vous entendez ma joie à travers l'écran, ma joie à travers mon sourire, parce que j'ai... Oh là là, je suis content. 4 à 1 pour les Lyonnais, les gars, en finale de C1, avec un magnifique but de Nabil Fekir en pleine, pas en pleine lunette, à côté de la lunette, mais pour une belle transversale rentrant. Ça, c'est incroyable, mes frères. On kiffe Nabil Fekir. Il est très, très puissant. Attention, corner pour les Napolitains. Avec Fabien qui centre le cornet, Eric Bailly qui est devant. Insigné, attention. Ah non, non, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Oh là là. Là, par contre, j'ai fait une très mauvaise passe. Très, très mauvaise passe pour Diego Igo Aspas, pardon. Et qui marque un deuxième but. 4 à 2 pour l'OL. Ils ont cassé le deuxième but voilà, à 10 minutes de la fin. Il est vraiment heureux, mais je pense pas qu'ils vont marquer 2 buts. Hein. Ouais, là, j'ai très, très mal joué. J'ai mal passé en tout cas. Ça chante déjà championnet, bon, enfin, vous avez compris, dans les tribunes. Bah oui, ils sont vraiment contents, les Lyonnais. Voilà, le tir de Diego Mendes qui sert complètement à rien. Il reste 2 minutes de temps additionnel. Ça chante déjà les champions, là. Ouais, on est champion de Ligue de Ligue des Champions. Attention. Et voilà. J'ai pas pu vous montrer la remise des trophées, malheureusement. Parce qu'il y a un petit bug. Et du coup, il n'y a pas la remise des trophées. Mais voilà, j'ai gagné la Ligue des Champions. Mais du coup, on termine l'année en beauté avec une très belle victoire 4-2 contre Naples. Voilà, félicitations. Champions League, incroyable mais vrai. Voilà. Maintenant, objectif, c'est le trophée des champions l'année prochaine. Et la Coupe nationale aussi, faire un quadruplé exceptionnel. Voilà, 97 points en 38 matchs juste devant le PSG. Voilà, je vais juste montrer mes buteurs, comme vous voyez. Nicolas Pépé, 20 buts, incroyable. Du coup, la saison est terminée, la saison 2018-2019. On se retrouvera plus tard pour une autre vidéo sur ma carrière. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, à la prochaine.